bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici sur Days Gone. Bien évidemment, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Pourquoi pas de vous plonger dans le noir un casque ou des écouteurs, un petit truc à boire et à manger. On est parti pour la suite. A tout de suite. Allez, nous revoici directement devant la station essence. On avait cramé toutes les zones infectées, en tout cas des alentours. Et direction, la suite de notre aventure, c'était juste à côté, souvenez-vous, Lisa qui s'était évadée, sacrée Lisa. Elle va nous en faire voir de toutes les couleurs. Et bien évidemment, on va aller la chercher parce que bah, la pauvre Lisa, elle est seule face à un terrible destin jusqu'ici. Et ça me paraît être un très mauvais endroit qu'elle a choisi. Attendez, ok. Non, non, non. Je sais pas où t'es. Je sais où t'es. Attends. Pascal ! Oh la vache, t'as des coups frérot de snipe. Ok, hop, ça en prend. Hop. Wesh ! Fils de pute ! Il l'a tué ! Ok. Bon ! C'est quoi les gars là le projet là? C'est quoi l'embrouille? Expliquez-moi. J'ai à peine commencé. Très bien. Ah c'est chaud. Je l'aurais pas comme ça. Je l'aurais pas comme ça. Rentre saloperie. Et j'ai plus beaucoup de balles. Ok, très honnêtement, je sais pas trop comment faire. On va essayer de la jouer tranquillou. Déjà, on va se faire arme spéciale. On va se craft des petits carreaux. Et puis, on va y aller... Oh là là. Ah, je pensais pas que ça soit aussi compliqué comme ça. Dès le début. Très bien. Wesh! Pas comme ça, Zinedine! Pas à travers un arbre! Mais t'es où? Ok, je te vois. J'arriverai jamais d'ici, hein, je vous le dis très honnêtement. Par contre... Voilà, mon pote! Headshot! Bon, c'est fort problématique, par contre, tout ce qui vient de se passer là. On va ramasser ceci. Ouais, carrément. Ouais, c'est fort problématique. Alors, attendez. Je vais voir si je peux pas taffer un peu la médecine. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok. Trousse de soins. On a fait nos bandages. On a fait nos bandages, on va pouvoir se soigner. J'ai hâte de retomber sur le Nero un petit peu, ça pourrait être pas mal aussi. Hop, ça on va ramasser. Bon, ma moto s'il vous plaît. Bon, le headshot était mérité, franchement je lui ai clairement mis sa part. Oh, c'est beau ça. Attends, ça a déjà repoussé? Quelle est cette sombrerie? Il me semblait que c'était ici que j'avais ramassé. Oh, ma moto? Non. Oh, bordel! Non, vous déconnez. Comment t'as... Préparation impossible. Moto immergée. Attendez. Bordel de merde, pas maintenant! C'est bon, t'énerve pas. T'énerve pas. Putain, c'est très très sombre hein, tout ce qui se passe. Hein. Sachez que j'ai commencé en live des choses incroyables. GTRP. N'hésitez pas à les voir. Mais. Mais d'où Jésus? Mais foutez-moi la paix! C'est incroyable, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Hop, je te dépasse, hein. Faut pas déconner, autant que tu me rapportes un petit peu d'argent. C'est assez terrible là ce qui se passe. Ouais, donc j'ai commencé en live sur ma chaîne Twitch tous les soirs à 19h, MRBBoy45 sur Twitch. Vous êtes très nombreux, vous êtes en moyenne 3000, c'est incroyable évidemment pour du GTRP. Suivez l'aventure de Johnson McGallaghan, une aventure formidable qui promet du très très lourd pour la suite. C'est donc au moment où vous regardez cette vidéo, d'ailleurs je suis peut-être en live, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et c'est juste fou tout ce qui se passe. Et c'est une manière pour moi de revivre des choses incroyables en RP. Sachant que du RP, j'en ai très peu fait et j'adore ça pour une première expérience. Allez, on va lire cette plaque. On arrête l'autopromotion. N'abusons pas des bonnes choses. J'ai quand même pris ma part. Oh, on a un camp par ici. Très bien. J'ai gardé mon pistolet. Ok, on a une benne. On a une voiture de flic. On va essayer de la récupérer. Oh, regardez-moi ça. On a là, je prends. Oreille de tétard. Tiens, tiens, tiens. Encore what? Essence. Une petite oreille de tétard gratos à l'œil là. Quoi? Ok, je suis cramé.
Je suis cramé, je cours parce que j'ai peur. Hein. Je cours juste parce que j'ai peur. Je vais remplir la moto. Par la même occasion. Et voilà. Voilà, régale-toi. Voilà. Très bien. Hop, on va save au cas où, on sait jamais. Sauvegarde rapide, voilà. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'elle? Elle est vraiment méchante? Bon bah écoutez, on n'aura jamais la réponse. C'est terminé pour elle malheureusement. Ok. Très bien, un cocktail Molotov, c'est pas mal, je prends, c'est gratuit. Souvenez-vous la galère que c'était. J'étais vraiment en manque de kérosène pour le coup. C'est parti! Direction Lisa! S'il te plaît, j'espère que tu es bien caché par ici. Sinon, ça me ferait bien chier. Schizo, c'est Saint John. Je suis à la frontière. Tu vois mes hommes dans le coin? Non, Schizo, RAS. Ivoire, j'ai combien de temps devant moi? Quoi? De quoi tu parles? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une partie de carte prévue avec certains de mes gars. Possible qu'un ou deux zappent leur tour de garde, mais je vais fermer les yeux. Et à vue de nez, je dirais qu'on est parti pour jouer toute la nuit. Donc jusqu'à demain matin. Compris, terminé. Ah mais non. Mais non, on va pas du tout retrouver Lisa. C'est par là. Mais pas du tout. Jouer toute la nuit, rouler jusqu'au site du crash. Évidemment. On va là où on a eu le crash de la Croix-Rouge, histoire de récupérer des soins. Aïe, 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 aïe. Même que je vous ai dit que ça sentait un petit peu le coup fourré, si je puis me permettre. Faut vraiment que j'aille là-bas en moto. Attendez, 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 attendez. J'ai peur d'un truc. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? La voie. Nous sommes sur la voie. Non mais c'était incroyable, jouer toute la nuit. Très bien, ça va être très long. Ça va être très très long. Ok. Bon. Alors, là... Embêtant. Fort, fort, fort embêtant. C'est pas trop tôt, hein, saloperie. Hey, merde, presque à court. Ok. On s'en sort plutôt très très bien jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc? Beaucoup trop stock, mon pote. J'en ai plus besoin de toi. Ok. Waouh. C'est quoi ce truc énorme? Non, c'est beaucoup trop chaud, je peux pas prendre ça. Ça remplace, quoique ça remplace l'arbalète en vrai. En vrai, ça remplace l'arbalète. C'est mieux que rien. Ok. On va essayer, écoutez. Ouais, tu vas bien me servir. On n'est pas venu là pour rien. On va tout fouiller. Très bien. Non, 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 en vrai, honnêtement, non, non, je suis très honnête, je préfère l'arbalète. L'arbalète, on peut se la jouer. Non, non, non. Ok. Je peux pas me passer de l'arbalète pour le moment. Ça me paraît être un indispensable. Un must-have, si je puis me permettre.
Ok, très bien. Bougez pas, regardez ce qu'on va faire par la même occasion. Hop, ça. Deux. Ah, je peux en faire que deux par contre, c'est terrible. Très bien, bon. Ça me paraît fort dangereux, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Cette mission risque d'être bien longue. Oh, il y a encore un mec grave baraque. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Est-ce qu'ils ont un point faible? Vous croyez que derrière... Je sais pas, je veux une sorte de bonbonne. Ah ouais, non mais c'est encore tellement loin. C'est encore tellement loin. Wouah! Ça m'a fait tellement peur! Ça le fout! Allez-vous là? Ok. Arrête de tirer, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Waouh! Il y en a combien des comme ça, frérot? C'est terrible! J'en perds les mots, en fait. Je sais pas trop quoi vous dire. Combien ils sont? C'est incroyable! C'est incroyable. Très bien, toi, on va fouiller. Je t'ai pas fouillé tout à l'heure, un chiffon. Je prends volonté, monsieur. Va falloir que je fasse très attention à ma moto aussi. Bon! On va y aller, mollo, hein? Regardez par contre les effets, hein. Toujours, toujours une plaque. Magnifique. C'est par ici. Je suppose. Ok, il y a deux tireurs. Ah ouais, 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 ouais. Très bien. Concrètement, je sais pas s'il me voit d'avance. C'est peut-être couru d'avance que je vais tenter, mais on le fait. Ok. Ah, je peux pas faire de carreau. Ah, mince. J'ai plus de ferraille. Ça manque de ferraille. On va y aller à pied, hein. Quoique, on peut se les faire. Et on va se les faire. Ayez confiance, les amis. Restez solides sur vos appuis, toujours. Ok. Oh la vache. Très bien. Très très bien. Incroyable tout ce qui s'est passé. Waouh, on a eu très très chaud. On a eu très 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 chaud. On a un snipes ici. Par contre, regardez ce que je peux faire. On va peut-être en profiter pour sniper justement. Ça peut être pas mal. Ok, bonjour monsieur. Je me permets de vous fouiller. Et on avait cet homme juste au-dessus. 3 balles de sniper. Très bien. Bon. Voilà ce qu'on va faire. On va rapprocher la moto. J'ai sécurisé. On va garder le sniper. S'il faudra faire demi-tour pour prendre l'arbalète, on le fera. Sinon, on attendra d'être à une planque. Mais le sniper, ça me paraît pas mal. Au moins, je sais que si on doit faire une attaque de loin... On pourra le réussir sans trop de soucis. Mais là, je vous avoue que je m'inquiétais énormément pour ces snipers. Cette mission promet d'être très longue, hein, à partir du moment où elle a commencé. Par contre, je croyais vraiment que c'était celle de Lisa, mais pas du tout. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh, on a quelque chose ici, mais on verra plus tard. Je suis bien content de m'être débarrassé de ces snipers. Allez, espérons qu'il n'y ait personne sur la route cette fois-ci. Peut-être éteindre la lampe.
dégage. Ah. Très bien, j'ai vu où t'étais. T'occuper de toi dans quelques instants, mon petit bro. Ne t'en fais pas. Ok. Il a l'air de sang. Mais pas trop même les couilles. Et c'est fort embêtant. Bon. Ça commence à devenir un peu problématique toute cette histoire, si je puis me permettre. On va récupérer ceci, ça sera très bien comme ça. On va garder cette arme lourde et on continue évidemment avec la moto. On va beaucoup switcher. C'est pas mal qu'il y ait des petits sortes de checkpoint un peu là. Avec du kérosène. Regardez ce qu'on a là. On a du coprin noir. Oh, ça j'en avais besoin. Et plutôt deux fois qu'une. On a un bidon d'essence. Ok. Pas mal ce petit endroit là. Pas hésiter à partir un peu plus loin. Hein. Très bien. Hop, regardez. Et puisqu'on fait pas les choses à moitié. Hop, j'arrive pas à le prendre, voilà. On va mettre le plein dans la moto. Qui est juste ici. Nickel, on peut continuer. Ah, bah non. Ok, bon allez. On continue, on s'en fout. On va le foutre plein. On va chercher la petite bête. Très très bien, on est à 40 mètres. C'est bon. Ok, trouver les antibiotiques. Je rappelle que les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Nous voici donc sur le site du crash. Putain, quel bordel. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai peur. Oh là là. Ok, il a faim, ce monsieur. Ok. Ah, il continue de charger. Qu'est-ce qu'il lui faut? Ok. Oh putain. Aïe! Ah! Oh la vache, c'est pas fini. Ok. J'ai énormément peur. Non! Ah! Allez. Ok. Allez. Non! C'est encore le bug! C'est encore le bug! Mais putain! Oh putain! Ça casse les couilles! Ok. C'est bon, faut t'arrêter, hein. Et juste aussi. Je vais mourir. Ok. Allez, juste bug pas en fait. Mais ça refait la même. Mais non. Mais arrête, c'est chiant, putain.
Ça me casse les couilles. Mais j'ai compris comment ça bug. En fait, dès que tu te relèves de l'animation, si tu te dépêches de te soigner, il sort ses putains de jumelles, ce débile. Bon, il tombe beaucoup trop vite. Je préfère sur N, voilà, et recommencer. Il court beaucoup trop vite. Vas-y. Oh, c'est dommage. C'est dommage qu'on voit pas au bout des choses, si je puis me permettre. Il court beaucoup trop vite. Je sais pas pourquoi, mais je m'en suis aussi peu sorti, entre guillemets. Ok, je suis pas bien. Allez, let's go! Eh ben putain! Oh la vache! C'est donc une brute! Glorious, cette saloperie! Incroyable! Désolé, là j'ai vraiment pas parlé, j'ai vraiment focus le gameplay. Les antibiotiques. Incroyable, hein, j'ai beau tourner autour. C'est terrible! Ah putain, j'aurais pu totalement activer ça. Ok, dommage. Dommage, dommage. Quoique, vous savez quoi? Regardez. On va le mettre ici. Hop, excusez-moi, j'ai tendance à m'énerver des fois. Allez, les gars, voilà. Par ici. Très bien. Ok. Ça, je prends. Encore des munitions, ouais. N'est-ce pas? Bon, désolé, je me suis emporté bien plus d'une fois, mais enfin. Clairement, il y a un problème avec le D-pad. Alors, soit ça vient de la manette. Qui considère que j'appuie sur la flèche du haut, soit ça vient du jeu, si vous êtes nombreux à avoir rencontré ce problème. Mais c'était fort embêtant. Après, c'est pas grave. On a réussi à s'en sortir. On passe à la suite. On va pas se focus dessus. Il y a plein de trucs ici, c'est incroyable. Ah. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je prends la moto, on se casse après. Ouais, ça fera l'affaire. Faut que je les rapporte à ma moto. Ok, on a du kérosène, je prends. Très bien. On se casse de cet endroit de mort, là, littéralement. C'est ma moto. Ah, on va la remettre sur pied. Très bien. On pourra se tirer d'ici, partir au nord, comme il voulait. Bon, l'info était bonne. Il a pas menti sur le coup. Deacon St. John, tu me reçois? Dick, c'est Ricky, à toi. C'est chier, faut pas qu'elle apprenne où je suis. Salut Ricky, c'est Dick, ça arrête pas de couper, je t'entends pas. Dick, t'es où? Il faut que je... Ricky, désolé, j'ai pas le temps là, tout de suite. Attends, c'est Ricky quand même, hein. C'est peut-être important. Direction le camp, ça sent pas bon, hein. Je sens que tout va partir en couille très très vite. Et ça me fait peur. En plus, un temps de chargement. Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe. Mais bon, j'ai la trousse. J'ai tellement galéré pour l'avoir. S'il vous plaît, gâchez pas tout. Attends! C'est Deacon! Derrière lui! Toi! Et toi! Remontez la route! Faites gaffe qu'ils reviennent pas! Grouillez! Tu l'as trouvé?
Qu'est-ce qu'il en restait, ouais. Ce qu'il en restait. J'ai entendu des coups de feu, qu'est-ce qu'il y a? Un accrochage avec des Reapers. Mais j'ai bien géré. Ah ouais, t'as géré? Qu'est-ce que... Waouh. J'aurais dû m'en douter. De quoi tu parles? Putain, Ricky, qui assure la sécurité? Tu sais quoi? Je me pose la question chaque jour qui passe. Je me tire d'ici. Tant mieux. Alors qu'est-ce que tu viens faire là? Ce que je fais là, Dick? Adi m'a envoyé te chercher. Pourquoi? Oh, une minute, c'est bouseur, c'est ça? Aucune idée. Faut y aller. Ah? Ça sent peut-être pas bon, cette histoire? Qu'est-ce qu'il a, bouseur? 82%, c'est mon frère! Tout ce que je sais, c'est qu'Adi m'a dit de te trouver. En renseignant, j'ai appris. On va pouvoir customiser notre moto, et ça, c'est incroyable, par contre. Je vois pas de quoi tu veux parler! Le site du crash, le matériel médical. C'est un secret pour personne, Dick. Iron Mike négocie avec Carlos pour partager la moitié avec les Reapers. Oh, conneries! Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est des conneries! J'étais là! La soute est déjà à moitié vide! Les traces quittant le site du crash vont toutes vers le sud! J'ai affaire à ces enfoirés de Reapers depuis des mois! On peut pas se fier à eux! Tu parles comme Schizo. C'est lui qui t'a mis sur le coup. Il t'a parlé du site du crash, hein? Ah, ouais, super! Maintenant, tu prends le lapin de Schizo! Je me trompe? Dans ce cas, comment t'as su? Un drifter du camp de Copland. Tu l'as dit toi-même, c'était un secret pour personne. Ouais, c'est ça. Ça fait des mois que Schizo cherche une excuse pour attaquer les Reapers. C'est une belle coïncidence que tu devais mâcher le travail. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré. Calme-toi, ma sœur. C'est pour vous, tout ça. Je peux te poser une question? Non. J'ai vraiment le choix. La dernière fois que je t'ai vu, avant l'hiver dernier, t'as envoyé Iron Mike se faire foutre parce qu'il voulait pas te payer pour ramener les survivants. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ouais, je m'en souviens bien. Iron Mike a dit qu'il voulait rien avoir à faire avec des esclavagistes. Ok. On n'a jamais forcé personne à nous suivre. Et Tucker? Tu peux en dire autant? Je sais pas. Tu t'es jamais dit que quand t'abordes un survivant qui crève de faim, qui a pas dormi depuis plusieurs jours, il est si vulnérable qu'il cherche même plus à échapper à des types comme toi? Tu t'es jamais dit qu'ils avaient pas le choix? Ça t'a pas empêché de les emmener à Hot Springs et d'empocher tes crédits? On a tous le choix, Deacon. À nous aussi, ça nous coûte beaucoup d'accueillir ceux qui peuvent pas travailler et gagner leur croûte. Franchement, estime-toi heureux qu'Iron Mike soit pas comme toi. C'est pas très gentil. Bon, enfin, on va faire... On va faire avec, on n'a pas trop le choix. William! William, si tu m'entends, je te demande de te calmer! Adi, qu'est-ce qui se passe? Bouseur! Attends, aide-moi à le tenir. Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu fais quoi, là? Je t'en prie, il faut le faire sans perdre une minute. Tu plaisantes? Oh, non. Deacon. Non. Deacon. Non, c'est hors de question, pas question. Je peux pas Deacon, te laisser lui faire ça. Écoute-moi. Les antibiotiques lui ont sauvé la vie. Mais il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour son bras. Écoute-moi. J'ai besoin de ton aide maintenant. C'est ça ou tu regardes ton ami mourir? Adi, on est en train de le perdre. D'accord. Très bien. Ok. Allez, viens. Hé, hey, mec. Aïe. Hé, hey, frérot. Écoute, il faut que je... Tiens-le ici, okay. Tiens-le. Dick. Ok. Dick. Tiens-le fermement. D'accord. Ok. C'est pas vrai, on va le perdre. Non, ça bite le sang. Il faut arrêter là, il bite le sang. Passe-moi la compresse. Ok. Bouzer, tiens bon, mec, tiens bon. Tiens-le! Allez, où ça? Où je dois le tenir? Tiens-le juste ici, garde la tête froide et tiens-le! Ah, ils auraient pu en montrer un peu plus quand même. Hein. Hey, tu t'en es bien tiré? Quand j'étais au lycée, je me souviens, je savais pas si je voulais être ingénieure en mécanique ou chirurgienne. J'aurais peut-être dû être chirurgienne. Oh. Et toi? Ouais, c'est bon. T'as sauvé ton ami, tu sais.
Ça m'étonnerait qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense que si. Il faut que j'aille installer sa perf. Je sais pas où t'as dégoté tout ça, et je préfère pas le savoir. Mais ça sauvera beaucoup de vies, Deacon St. John. Beaucoup de vies. Je vais aller aider Eddie. Mike, reste tranquille. D'accord ? Deacon ! Sors de là ! J'ai appris ce que t'as fait. Je pouvais quand même pas le laisser mourir. Mike, laisse tomber. C'est fait. Je le sais bien, bon sang. Boozer va s'en tirer. J'en sais rien. Mais les Reapers t'ont vu et t'ont suivi. Quand Carlos apprendra tout ça, il va nous le faire payer très cher. Carlos peut aller se faire foutre. Toi, tu mets sans cesse en danger la vie des autres. Et ça t'empêche pas de dormir? T'as fait ce qu'il fallait. Mike! Très honnêtement, je suis agréablement surpris parce que je pensais qu'ils allaient faire passer Schizo pour un débile jusqu'au bout et finalement... Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, qui a donné un bon plan. Et comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Donc, très honnêtement, bon point de ce niveau-là. Et on va s'arrêter là. Prochain épisode, on va custom et on va pimp un maximum notre moto. Ça va être incroyable. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, elle m'a plu. À bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Ciao, ciao.